La vie et la triste fin de Magali Noël. Magali Noël Guiffray, dite Magali Noël, née le 27 juin 1931 à Izmir en Turquie et morte le 23 juin 2015 à Châteauneuf-Grasse, est une actrice chanteuse française. Elle est notamment connue pour son interprétation de la chanson Fais-moi mal Johnny de Boris Vian et pour ses rôles dans plusieurs films de Federico Fellini. Née de parents français travaillant dans le service diplomatique, Magalie Noël Giffray vit en Turquie jusqu'en 1933. Après avoir étudié le chant, la musique et la danse, elle débute à 16 ans comme chanteuse de cabaret et se produit ensuite dans des revues. Venue en France, elle suit les cours d'art dramatique de Catherine Fontenay et commence une carrière au théâtre et au cinéma. Magalie Noël se fait remarquer en 1955 dans le film Du Rififi chez les hommes de Jules Dassin. Elle impose progressivement son charme et ses talents de comédienne au tempérament de feu dans Razia sur la chenouf d'Henri Decoin, Les grandes manœuvres de René Clair, Helena et les hommes de Jean Renoir. Elle prend une nouvelle dimension en incarnant l'un des symboles des fantasmes sexuels de Federico Fellini dans La Dolce Vita en 1960, Satiricoine en 1969 et surtout Amarcord en 1973 où elle campe l'inoubliable Gratisca, pin de province. Malgré un rôle notable dans Z de Costa Gavras, Palme d'Or à Cannes en 1969 et de grands succès au théâtre, elle retient moins par la suite l'attention des producteurs. Elle retourne alors avec succès au Music Hall. Une nouvelle génération de réalisateurs lui donne ensuite des rôles à la mesure de sa sensibilité. Chantal Ackerman, Les Rendez-vous d'Anna en 1978, Claude Goretta, La mort de Mario Ricci en 1983, Tony Marshall, Bentimento en 1989, Andrzej zulowski La Fidélité en 2000, Jonathan Demme La Vérité sur Charlie en 2002. En 1986, elle interprète le rôle de la logeuse dans la comédie musicale Cabaret mise en scène par Jérôme Savary. En 1992, elle joue Julia Bertil, une célèbre cantatrice, dans Les Cœurs brûlés, saga estivale de TF1. En 1996, dans un film documentaire retraçant une partie de la carrière du peintre rouennais Marcel Pelletier, dont elle est devenue amie, elle égrène le portrait de Marcel dans un texte rédigé par le critique d'art norman Daniel Fleury. En octobre 1996, elle est sur la scène de la comédie des Champs-Élysées, où Michel Fagado et Jean-Claude Vial lui laissent la carte blanche pour un soleil blanc, spectacle musical exclusivement consacré à Jacques Prévert. Parce qu'il croit en la jeunesse. Son immense tendresse me touche profondément. Son souci de défendre sans cesse les petits de l'existence, ne tolérer aucune forme d'oppression. Sa folie, sa provocation, sa férocité, son humour et sa douceur me fascinent. A cette occasion, 13 poèmes sont mis en musique pour la première fois pour ce regard sur la vie entre rêve et réalité. Sa carrière de chanteuse est marquée par la célèbre et audacieuse chanson "Fais-moi mal, Johnny", écrite par Boris Vian et composée par Alain Doraguet en 1956, reprise dans le film "Le Fauve est lâché" en 1959. Ce morceau est l'une des premières chansons rock'n'roll chantées en français, qui fut d'ailleurs interdite à l'époque à la radio à cause de ses paroles jugées trop posées. Magali Noël a une fille, Stéphanie Vial Noël, d'un premier mariage avec l'acteur Jean-Pierre Bernard, et deux garçons qu'elle a adoptés lors d'un second mariage. Son premier époux, Jean-Pierre Bernard, repose à ses côtés dans le cimetière d'Entrechaux. Merci d'avoir écouté l'histoire de Magali Noël. Et vous, que pensez-vous de sa vie Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.